Bonjour, bonjour. Donc on a débloqué le cavalier. Donc là on est parti. On est parti pour. D'ailleurs je pourrais vous mettre un peu de lumière. Ça me dirait mieux. Donc on est parti pour rush un petit peu de super défi avec la nouvelle unité. Donc on a construit un deck 3 mousquetaires autour. Donc c'est de la construction maison évidemment. Et on est parti. On est parti. On va voir ce que ça donne dans le super défi et dans un deck 3M avec notre belle cavalier. On va réactiver notre... souhaiter la bonne chance à l'adversaire, bien sûr. Donc, sur ce deck-là, n'hésitez pas à commencer avec la voleuse. La voleuse, c'est la bien. La voleuse, c'est la vie. La voleuse, c'est la vie. Ouais, la voleuse. La voleuse. Moi, j'adore les decks mousquetaires. Hein. J'ai vraiment hâte qu'ils ne le nerfent pas. Ils vont nerfer les decks 3 mousquetaires. Ils ne savent pas encore exactement comment, mais en tout cas, ils ont fortement prévu de le faire. Donc voilà. Vous êtes prêts. Soyez prêts. Soyez préparés. Les decks 3 mousquetaires vont prendre un petit tarif. Ok. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 c'était pas bien. Bon, il a claqué beaucoup de sous, il a un peu gratté la tour, mais on va gratter un petit peu plus à gauche. À droite, il va devoir se redéfendre s'il veut pas se prendre 400 dégâts. Ok, il boost, pas de problème pour nous. Pas de problème, pas de panique à bord. Ici, on met... ouais, ok, on va faire comme ça, on va faire comme ça, et on met elle. Ça va le retenir un peu, elle va dire non, ballon, ballon, ballon. Hop, salut, 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 au revoir Boulist. Et on est parti pour rusher un petit peu avec notre cavalier et notre voleuse. Vous avez vu le travail qu'elle a fait ici sur le ballon. Ça fait plaisir, elle fait... Oh, cavalier. Bon, bref. Alors, ici, on va redef tout ça avec un petit golem de glace. Hop, tu viens ici. Toi, dès que tu tapes la tour, tu prends les battes. Hop. Vous pourrez mettre un petit fuit barbare histoire de forcer l'adversaire à répondre sur les battes. Voilà, comme ça il fait pas ah, oui mais non, en fait les battes, méchant, c'est pas sympa. Et bah du coup il a pris quand même deux coups sur sa tour, il a pris quasiment tous les points de vie sur Infernal. Son Infernal va sûrement servir à rien, il peut pas mettre une unité devant ou autre, il va se faire exploser. Donc c'est pas trop mal au final, on a pris un gros avantage sur les deux tours le Seigneur des Anneaux. Alors on peut mettre un petit point pisé puisqu'en fait il joue gel, donc potentiellement ce qu'il va vouloir faire c'est nous rusher. Pas. Mais bref, en tout cas, vu qu'il joue gel, on peut se permettre de faire des trucs comme ça. Et bah écoutez, partons mousquetaire, mousquetaire. On va sûrement voilà, recycler un petit peu du golem de glace par là-bas environ. Chasseur évidemment. C'est pas sympa du tout. Ok, on va sauver les battes. Allez les battes. Allez les battes. Allez les battes. Ouais, non, non, non. Ok, ça c'est pas cool. Mais non. Bon, il reste 4 secondes. Hein. On a perdu à tout. Okay. L'oubli, si tu vas faire quand même, c'est bien le mousquetaire, c'est pas cool. C'est un vilain boost. Un truc comme ça, comme ça, comme ça. Et à droite, on met la meuleuse. Et normalement, il passe def à droite. Oula, oula, le bichon, il a pas le droit de jouer. Ok, on va faire un truc comme ça, on va avoir un golem de glace, on va rebattre, on va essayer de mettre une petite pression, voir ce qu'il arrive à. Ok, il a aussi une tornade, parfait pour nous, on va pouvoir remettre une extracteur ici. Pap, 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 pap. Là, on a double pompe, on a une qui est quasiment morte, mais du coup, on a quand même pas mal d'élixir vide. Donc, quand on a l'élixir vide, on remonte ce côté, on est bien. Oh là là, lui il va tomber instant. Hop, hop, hop. Toi tu meurs, il, hop, salut. Alors ensuite, on est parti, donc comment on va faire? On va mettre un petit cavalier par là-bas, on va prendre l'agro avec le golem de glace, on va pouvoir rebattre dans le coin là-bas, donc il va être obligé de tornade potentiellement, sauf que bah c'est trop tard, laisse trop tard, la suite. C'est le soir, ouais, ces decks-là ils sont trop puissants. Le cavalier, vous avez vu comment elle contrôle le bûcheron quand même, elle s'en fiche, hein. Le bûcheron il a pas le droit de jouer. Faut bien le mettre devant, faut bien le mettre au milieu de la lane, faut vraiment faire attention à ça, hein. C'est vraiment le positionnement qui compte. Hein. C'est la première unité qui est snare et du coup le positionnement des unités corps à corps compte d'autant plus. D'autant plus. Et bon, on est parti avec une petite voleuse en fond. Bam, hop, salut, je suis la voleuse, je suis la voleuse, la gentille voleuse. Pour l'instant, on n'a rien de sexy à y remettre donc on va juste recycler derrière quand même. On va sûrement repartir sur la même lane que lui avec les mousquis. Voilà, parfait. Nickel. Ça, c'est des gardes. Il aurait pas dû les claquer. Du coup, ils vont pas servir à grand chose en théorie. Ils vont juste s'écraser sur la tour sur le golem de glace. Oh, enfin bon. Ça joue pas en face. Ça, c'est pas cool pour nous. C'est même plutôt pas sympa. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. On va partir sur un cavalier là-bas. Juste on va mettre une petite pression. Oh, il bûche. Oh, ça coûte cher. Oh là là là. Ok. Et bah écoutez, très bien. On prend. Oh, le cavalier qui se permet d'assister. Oh là 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 là. C'est monstrueux. Oh là. Oh, ça nous met super bien. En plus, le ciel il est snare là-bas. Oh là. Ouh, c'était bon. Oh, c'était bon comme réaction. Ça, c'était nice. Oh, la MG qui se fait gérer par le cavalier et la mousquetaire. Oh,
Ah, ça, c'est pas un hog qui aurait pu lui permettre de le faire. Hein. On est reparti, on met une petite pompe, on attend de voir ce qu'il décide de faire. Du coup, il a pas son cavalier bénin, il a les petits gardes, il a l'ice golem, mais ça va pas suffire évidemment. Il t'est mal mis, mon chasseur, ok. Très bon poison de sa part, cependant. Très bon poison de sa part. Est-ce qu'on le force à répondre sur le chasseur? Enfin, un truc comme ça. Il adore claquer les unités, du coup. Ou une bûche. Bon, il claque deux, du coup. Papa. Bon, l'avantage, c'est qu'il a plus de poison. L'avantage c'est qu'il a plus de poison, exactement. C'est tout à fait vrai ça. Donc on peut faire ça. Parce que du coup on pourra pas se faire poisonner. Et ça c'est bien. Ça c'est le bonheur. Et bien écoutez, faisons un truc comme ça. Je sais vraiment qu'elle va être nerf, mais du coup ça nerf pas le reste. Et ça c'est un peu ce qui compte pour moi. Pap, vous avez géré. A droite, il faut qu'il la défende aussi, hein, sinon elle va faire quelques dégâts, hein, vous la connaissez. Il défend à la MG, pas de soucis pour nous. On va faire un truc comme ça, on va reprendre sa MG par ici. Oh, à gauche, oh là là, à gauche on a remis un shot de mousquetaire, et c'est la fille, ça c'est clair. Hop, on va mettre un petit extracteur ici. Potentiellement il peut décider de nous mineur, on va essayer de pré-shot. Ok, pré-shot parfait, hop, salut. Donc il a pas touché, donc il a. Par contre on est obligé de claquer 4 à chaque fois qu'il fait ça. Donc c'est pas très nice pour nous, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Hein. Du coup là on peut repartir en mousquetaire, il n'y a plus que 1000 HP sur la tour de gauche, donc évidemment on va essayer de pousser un petit peu plus sur la tour de gauche que sur la droite. Mais bon, alors on y arrive. Hop, un truc comme ça, on attend bien que la bûche soit passée. On va remettre les dates en plus, donc il va devoir claquer autre chose hein, s'il veut se défendre. Parce que là ça va faire très mal. Oh Kababili qui connecte. Oh le Kababili qui connecte. Oh le chien des snares à mort en plus. Oh la tour qui tombe! Oh là 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 là! Le Cavabelli, 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 Cavabelli! Ok, la tour! Oh la tour! Ah non, presque 3 étoiles, c'est dommage. Parce que derrière, vous en voulez pourtant, vous avez une fin de loup, une fin de bélier, ouais, je sais pas si ça marche. Moi je suis pas un bélier, je mange de l'herbe, je sais pas trop. Faut que je regardais sur internet. Internet est plein de ressources, alors utilisons-le à bon escient. Utilisons Internet autant que possible. Alors ici, c'est parti, on est contre Tris66. Ouais. Ah, je le sens bien, ce deck est bien, ce deck c'est magnifique. Les petites battes, mine de rien, elles font un bon travail, c'est bien. Je suis content d'avoir mis les petites battes dedans. Ok. Ah, ma voleuse elle est mal mise. Ah, non, elle est bien mise. J'ai cru que non. PK. Ok. Si poison, c'est chiant. Mais peut-être qu'il a pas poison vu qu'il joue princesse. Alors va déjà par là-bas. Je reviendrai sur le mousquetaire après, y a pas de problème si tu veux. Ok, il joue roquette. Roquette, pas de problème. Qu'est-ce qu'il a pour défendre ça du coup vu qu'il a plus la princesse et que du coup il joue un nouveau sort? Qu'est-ce qu'il a pour défendre les maths? Ouais, il avait rien. La réponse c'était rien. Voilà, si vous avez une question, il y a une réponse. Ah, les bats elles font le travail, hein. Faut pas les sous-estimer. On va mettre un petit chasseur ici, parce qu'un chasseur c'est la chance assez. Voilà, vous connaissez l'histoire. J'aurais très bien pu défendre à la. Avec la nouvelle unité d'ailleurs. Pas habitué, notez-le. On aurait pu tenter de mettre la nouvelle unité pour se mettre à mort le hog. Ouf, ça coûte cher ça. Oh là là, mais non, fais pas ça, non. Ok, on va faire un truc comme ça. Et on va attendre tranquillement que les ressources reviennent. Okay, je sais pas quand il va vouloir défendre ça, il défend pas je pense. Hein. Ouais, il défend pas. Okay. Alors nous on va avoir le golem de glace, on va avoir les masquis. Ok. Et bah ben, tant qu'on avec le golem de glace, y'a pas de problème pour nous. On accepte. On peut rechasser ici je crois. C'est pas déconnant, on se permet de cycler, on peut récupérer du coup notre. On peut pompe là, comme ça au pire il nous broquette et du coup il a pas de quoi accompagner Savage. Du coup c'est un mauvais play pour lui même s'il gratte la tour. Le bon play pour lui c'est de. Bah c'est pas y répondre simplement. Tac. Bon j'ai un peu raté mes snares du coup. C'était pas ce qui est le plus sexy ici, hein, je vous l'avouerai. On a connu plus sexy. Et ben on va mettre les 3M. Ah c'est un peu proche de la tour là, j'aurais dû y mettre plus loin. My bad, mon mauvais comme disaient les Français. C'est pas dramatique, hein. C'est vraiment pas dramatique mais quand même, ça aurait pu être mieux exécuté. On va mettre une boulet pour rusher sur le sorcier parce que j'ai encore envie que le sorcier il tape mes unités donc plutôt comme ça. Voilà. Bon sorcier. On va les mettre dans le pocket, tiens elles vont se faire la balle qui vit, la balle qui va rien pouvoir faire, on est content. On va mettre plein d'unités dans le pocket jusqu'à ce qu'il y ait plus de tour en face. Hop, on met une boulet.
On est toujours ici, on bourre, on bourre, on bourre. Paf, 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 paf. Le cavalier, hein, le cavalier qui fait le travail, hein, le cavalier, il est. Enfin, là, je sais pas si. Enfin, c'est une fille, alors est-ce qu'on dit une cavalier. La cavalier, peut-être, on va dire là, on va dire là. Dans le bout, ce qu'on dit là. Tout, 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 tout. Ok. Alors, on tue, on tue, on tue, on est super à la fille. Wow, wow. Et oui, la cavalier marche apparemment, apparemment dans les decks de ce côté-là. Bon, on s'en doutait que sa place serait pas déconnante dans ces decks-là. C'est un petit contrôle, et bah surtout du snare en fait sur des unités, sur les mousquetaires. Les mousquetaires, tu snares leurs ennemis, elles sont heureuses. Hein. Oh, ah, je peux taper la PK, mais oui. Et elle ne bouge pas, mais c'est super, mais c'est génial, on est très contents. Enfin, ouais, vous avez l'idée. Alors ici, on va mettre une petite voleuse de début, et on va attendre de voir, on va réagir en fonction de ce que l'adversaire fait. Ah, j'aurais pu être plus réactif, je me prends un choc. Ah non. Ah non, j'aurais pu être plus réactif. C'est pas pire, c'est pas pire. Juste envie de les battre, pour recycler un peu le deck et voir ce qu'il décide de faire. Ok. Armée de squelettes, ok. Ok, okay. D'accord, très bien. Mais écoutez, on va faire ça. Pour l'instant, je sais qu'il a un deck rapide. Ok, très bien. Hop, tu meurs. Ok, zap en plus, ça coûte cher. Pourquoi pas, hein, mais ça coûte quand même cher. Lui il va tomber, hein, il va tomber. Enfin, lui, moi, le royal, c'est un. Voilà, il va être un chat et il va mourir. C'est le tue. Au revoir, royal. Alors, on est reparti. Donc, ici on va mettre une petite voleuse en fou. On fait bien attention au type de la peau. Enfin, on est quand même pas des, fous. On les met là, de toute façon il aura pas le temps de les boules de feu bien, c'est parfait. Je sais pas trop. Là je vous avouerai qu'il n'y a aucun play qui me convenait. J'aurais pas dû le bénir pour moi là-dessus. Barbarian Boy là-dessus, c'était bien. Bon, on va défendre au chasseur. Pap, pap. Chasseur! Chasseur! Merde, pff, il était ennemi mon chasseur. Il était pas très très GG mon chasseur, hein. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue, il était pas fou. Ok, 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 un truc comme ça. Et après on reprend. Ah merde, elle a pas d'âge. Ah elle a pas d'âge, saleté. Vilaine. Vilaine, vilaine, voleuse. Vilaine. Ok, bon là de toute façon il va la défendre s'il veut, mais sinon il a. Ouais ok, il va faire ça, pas de problème. On va remettre un golem de glace ici je pense, et puis enfin, quand même ça, parce qu'il aime le Royal Ghost. Potentiellement on pourrait envoyer un cavalier, mais je crois que je préfère recycler tranquillement mon deck. On va faire un truc comme ça. Ça me paraît plus sexy. Tac, et là on va mettre les 3M. Alors toi tu bouges pas. Ok, toi tu snipe un tour si tu veux, mais c'est pas très grave. Alors, comment il défend ça? Comment il défend ça, mon ami? Un chasseur ici. Il veut disparaître. Cavalier ici, on va le faire un peu avant tout ça. Hop. Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Hop, c'est bon. Alors, cette habilité de snap, elle est monstrueuse quoi. Et ben on va finir la tour avec les 3 mousquets dans le connard parce que ça va. Hop là. Bah. Allez, on finit les 3 étoiles. Waouh. C'est le 3 étoiles qui passe. Et on est reparti. On est reparti instant. C'est le cavalier, le cavalier. Elle tue le glider, elle fait snare, 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 snare. Tu ne bouges pas. En fait, ouais, elle peut complètement, du coup, apparemment, snare à 300% unité, donc elle peut l'empêcher de bouger de A à Z. Donc s'il y a une seule unité simple au corps à corps et que vous avez des unités à distance, une tour, enfin, la tour est une unité à distance. Apparemment ça marche bien. On est contre Barsamico. Ok, pas de problème pour nous. Barsamico, Barsamico. Ok, on a la petite voleuse. On va mettre la petite voleuse de début. On va bien être attention et être réactif sur le fuite barbare. Ok, vous décidez de faire une escape crime. Ah non. Ah, c'est pas cool pour nous ça. Bon bah tant pis. Chasseur par là. Faisons un truc comme ça. En laissant la rocher. Ouais, mais pareil, ça marche pas comme ça. Ouais, ok, ça aurait pu être pire. Pap,
Oh là, cette partie est compliquée. Hein. Ouais, c'est le sorcier. Hein. Il laisse le sorcier, nous on garde nos ressources parce qu'il a un deck tellement agressif, l'ami. Il s'en est pas très respectueux. Super combat! Ouais, super combat! Super combat! Ok. Bon. Rush nous si tu veux. Rush nous si tu peux. Rush nous si tu veux. Y'a pas de problème. Boule de feu. Moi, je suis pas convaincu de ce play. Je pense que c'était une. Ah, quoique. Peut-être qu'il a réussi à faire un truc sexy avec le bâtard. Ah, le collecte, ouais, ok. C'est chaud, hein. Non, un peu le collecte, pas l'air. Je tiens à le dire, je tiens à le dire, je serai énorme, je n'aurais pas forcément de collecter ici. Évidemment, il coûte un peu cher pour faire ça, mais il arrive quand même à passer devant. Et ça, ça, c'est ce qu'on attend dans le carré billet. On voit la Dark Witch, non. Ok, la tour, elle est. La tour! C'est le cavalier. Ah, les mousquetaires, quand elles tapent une tour, elles y vont de cœur joie, hein, elles y vont pas sans déconner. Quand même. Il va devoir boule de feu ici, donc il va devoir prendre 4 ressources, ça m'arrange bien. S'il les perd pas, il les perd forcément. Tac, le chasseur, il s'en fout, il tue tout le monde. Ça c'est un truc qui est important dans le jeu je pense aussi, faut bien connaître les interactions des unités. Donc si vous savez par exemple que chasseur il arrive à contrer ça, vous n'avez pas besoin de surréagir, de trop réfléchir, etc. Vous pouvez y aller tranquillement. Hop, on va mettre un extracteur. Et du coup ça... Ah ça a collecté. Ah ouais, pas de chance. Bon après il a plus de boule de feu, il va devoir se défendre chez lui, donc je sais pas comment il va faire. Ah parce que du coup il a pas l'air sur ce boule de feu. Ouais, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Il est bien joué hein, cependant il est quand même bien joué. Ta 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 ta. On aurait pu le jouer plus sérieusement et repartir sur un push sur les deux lanes évidemment. Mais ça marche bien. Ça marche bien. La cavalerie, elle a encore frappé, Elle a mis en rush avec les deux mousquetaires et bim, bim. Ça a été réglé, ça a été vidu. Hein. La cavalerie, elle fait le travail, la cavalerie, elle fait ce qu'elle veut. Et on peut en profiter pour s'hydrater un peu. Je suis la cavalerie. Ouais, non, elle se fait plaisir avec la cavalier. Donc, dans quel deck elle tournerait bien toi? Bah, bon, après, pour moi, du PK contrôle, ça peut aussi bien marcher. Mais là, effectivement, le 3ème, l'avantage, c'est que bah, les unités, elles tapent à distance et elles font mal. Donc, après, on peut trouver de nouveaux archétypes autour, hein, pas forcément autour des. Forcément de types d'archétypes existants. Mais, Ah, j'ai pas la volée sur mon départ. Non. Une petite sadness, tout ça. Au moins, j'ai le chasseur. Le chasseur, c'est bien d'avoir un départ. Alors, on peut parler plus à Barbare au cas où il décide de nous. Nous faire des escroqueries, des trucs pas sympas. Bon, un truc comme ça. On va voir ce qu'il fait. Hein. On est contre un adversaire patient. Et la patience, c'est vertu, tout ça. Quoi. Il y a des vertus à la patience. Ah, j'ai raté ma voleuse. Ah non, j'ai réussi. Bah voilà, donc vous avez vu, hein, vraiment très très fort ce deck. Il arrive à battre même les joueurs qui ne jouent pas. En tout cas, contre un AFK, il se débrouille bien. Sur le premier push, on peut réussir à gagner contre les AFK. Et ça aussi, c'est très important. Gagner contre les AFK, c'est pas toujours évident. C'est vrai que ça demande quand même un certain niveau de jeu, quoi. Donc, on est content. Hop, et on est reparti. Ça a été vite quand même. Ouais, j'avoue, ça a été assez expéditif. Hein. La cavalerie. On est contre Tyler et on a un chasseur. Ah, oh, il a les modes. Donc on sait qu'il va jouer cavalerie. Nous, on va jamais dans les clous. Allez, rush nous, cavalerie. Rush nous. Ah, parfait. C'est exactement ça qu'on attendait de toi. Tac. Ah non! Non! Ah, je. Le chasseur qui est tombé avant, mais non. Ouais, je vais devoir lui forcer à défendre là-dessus du coup, parce que sinon, je serai en retard en force. Ok, zap. Ah.
On savait qu'il allait rusher en plus, on n'avait pas le fil barbare en main. Sinon c'était vraiment mauvais avec Val. Mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Ok. On va essayer de se défendre avec les 3M. On espère avoir récupéré assez de ressources d'ici là pour. Sinon on va devoir faire autrement et ça va m'embêter. Ça va pas être sympa. Ok, on va faire 3M. On peut 3M. Okay. Hop, hop. Du coup ça ne gêne pas qu'elle fasse l'air évidemment. Ok. Oh le gel c'était pas cool ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oh là là, est-ce qu'on est en train de se prendre? Oh ça va du tout ce qui se passe, arrête ça. Arrête, arrête quand même. Ok. J'ai envie de pompe mais je sais pas où du coup. Je sais pas où est l'endroit le plus safe. Je crois que c'est quand même dans leur match là. Après, rien n'est perdu. Je tiens à dire que rien n'est perdu. Alors, pa-pa-pa-pa-pa. Mais du coup il me fuit pas moi. Comment il me fuit? Il me fuit pas. Ah si, il a zap. Il a zap. Ok, par contre du coup il y a beaucoup de chiens chez lui. Ouais. Voilà. Le début de partie était un peu pas fou, mais au final c'est vrai que ça passe. Bon. J'espère que vous avez bien un peu l'idée, en tout cas que ça peut fonctionner, hein, parce que si on fait Z0, on peut faire 12, hein. On peut aller loin à partir du Z0. J'espère que vous avez pu voir un peu à quel point cette nouvelle unité, elle est trop bien, elle est super, et comment on a, bah, du coup, vous avez vu comment elle a contré ma voleuse. La voleuse se fait bien contrer par, voilà, moi je ne savais pas que c'était à ce point-là, donc je l'ai appris, hein. Ah mais dépend. Mais en tout cas, voilà, dans les decks Trombuscritaire, ça marche vraiment super bien. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs sur la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle unité dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir bah, vos avis, vos retours, ce que vous avez pu faire avec, si vous avez pu construire des decks, etc. N'hésitez pas à les partager. J'aurais très envie de faire un petit test de deck abonné où vous mettez le cavalier dedans et on teste en super défi ou autre. Donc, format qui vous convient, en tout cas, ça me ferait super plaisir. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs, les vidéos sont vraiment faites pour vous, n'hésitez pas à vous exprimer. Et je vous souhaite une excellente journée.